sur Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui Monsieur Félix Bankunda Mpele qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Monsieur Bankunda, bonjour. Bonjour Monsieur Ngoua. Alors, nous sommes donc aujourd'hui, on va dire clairement, dans la ville de Limoges, donc dans votre ville. Et nous avons vraiment le plaisir d'être avec vous et nous allons échanger quelques instants pour avoir votre avis sur les questions cruciales de l'actualité congolaise. Comme vous le savez, M. Denis Sassou Nguesso organise une élection présidentielle le 21 mars 2021. Je sais que vous êtes très attentionné sur les questions liées à votre pays. Pour quel candidat allez-vous voter ou auriez-vous voté si vous étiez au Congo? D'abord, merci M. Ngoua de vous être déplacé, de m'avoir rendu visite, c'est un honneur. Je suis plutôt gâté. Et ben voilà, pour revenir donc à la question de l'actualité congolaise, très franchement, vous me permettez de rire un peu. Ah, mais écoutez, je vous demande juste pour quel candidat vous auriez voté, si d'ailleurs la diaspora avait le droit au vote. Est-ce que vous voterez pour M. Denis Sassou Nguesso, Parfait Kolela, Mathias Nzon? J'ai déjà écrit quelque part que c'est une vaste comédie, que c'est de l'indécence pure, franchement. Et je pense que les évêques ont eu raison à cet égard en disant à quoi ça sert ces élections. Monsieur Mingwa, je vous rappelle que personne n'a fait le meilleur procès des élections, disons que ça s'organise, personne n'a fait meilleur procès que lui-même. Je rappelle deux, trois de ses citations. Quand M. Sassou Nguesso, disons, est dans l'opposition avec M. Bernard Kolela, au printemps 1997, disons, l'opposition d'alors fait, disons, un mémorandum, comme on l'a appelé un mémorandum. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ce mémorandum qui est signé par lui et M. Bernard Kolela, entre autres? Ils disent que les élections présidentielles, l'élection présidentielle ne peut être organisée que par une force internationale. C'est encore visible, hein, je veux dire. Beaucoup ont reproduit effectivement ce mémorandum d'opposition de 1987, c'est écrit comme tel. Mais je rappelle également autre chose. Après le début, donc l'enclenchement des événements de juin 1997, M. Sassou Nguesso est interviewé par un journal qui s'appelle La Croix. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit ceci, je le cite encore, que pour que les élections soient égales à tous, il faut que le président Lissouba redevienne citoyen candidat. Je répète, pour que les élections soient égales pour tous, il faut que M. Lissouba redevienne citoyen candidat. Autrement dit, et clairement, dans sa tête, et selon ses propres termes, les élections organisées par quelqu'un qui est installé comme président sont des élections inégales. Et donc, de ce point de vue, je pose la question suivante. Disons, une phrase qu'avait déjà en son temps affirmé Lissouba, citant, les gens ne le disent souvent pas, ils se disent souvent que M. Lissouba avait dit qu'on n'organise pas les élections pour les perdre, il ne faisait que reprendre, disons, la célèbre phrase, disons, de M. Bongo. Bon, donc, je pose la question suivante. Lui, M. Sassou, il assume, c'est un individu sans foi ni loi, c'est un individu sans scrupule, c'est un individu qui ne sait pas ce que c'est que la honte. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais le savent. Bon, donc, quand, M. Kolela et d'autres nous ont la compagne, je pose la question de savoir, franchement, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Mais c'est la question que moi je vous pose. Vous êtes un analyste, je dirais même un politiste. Dites-nous ce qu'ils veulent. Pour moi, ils veulent accéder à la présidence de la République pour appliquer leur programme, et leur programme a été dévoilé. Je ne participe pas, disons, à la comédie. Je vais encore, disons, dans le cadre de l'explication, dire deux choses, M. Ningwa. En principe, si nos compatriotes, M. Kolela, M. Nzon, étaient sérieux, c'est pas, disons, un programme qu'ils afficheraient. Le seul programme qui devait être, effectivement, disons, de ces acteurs politiques, n'aurait qu'une seule phrase.
la restauration, disons, démocratique. La restauration démocratique. Donc, je veux dire, en venant détailler les programmes, disant je vais faire ceci, je vais faire là, non seulement ils font rigoler le monde, mais en fait, ils nous font comprendre également, je veux dire, s'ils sont de bonne foi, ça veut dire qu'ils se trompent, je veux dire, d'enjeu. L'enjeu du Congo, l'enjeu, disant, qu'attendent nos compatriotes, c'est pas, disant, le programme d'internet, c'est la restauration de la démocratie. Et pour, effectivement, je veux dire, disant, l'argumenter, je dis ceci. En 2016, quand pour la première fois depuis le retour de M. Sassou Nguesso, dans les conditions que tout le monde connaît, quand les Congolais se sont mobilisés, c'était en faveur de qui? C'était en faveur de M. Moukoko. Et pourquoi en faveur de M. Moukoko? Mais tout simplement parce qu'ils voyaient en M. Moukoko celui qui pouvait effectivement, disant, en fait, c'était pas, je vais dire, personne ne connaissait le programme de M. Moukoko. En dehors des affirmations que tout le monde connaît, ben voilà. Non. C'est parce que, effectivement, il pensait qu'à travers le général Moukoko, eh ben, il pouvait effectivement revenir à la démocratie. Donc, le fait de venir nous afficher les détails de leur programme, ceci, cela, ça veut dire premièrement que, soit de façon innocente, ils ne comprennent pas l'enjeu, soit disons que, ben, effectivement, ils sont dans un jeu de rôle. Ils sont dans un jeu de rôle. Et ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi ça ne m'étonnerait pas? Ben, ça ne m'étonnerait pas pour la bonne et simple raison que, pratiquement tous, en fait, je vais dire, disons ceux que nous venons de citer, ont déjà travaillé, disons, avec M. Sassou Nguesso. Et donc, ayant travaillé avec lui, il considère qu'effectivement, je vais dire, si nous, le Congrès, nous pouvons effectivement parler de, je vais dire, disons, du côté aventurier, disons, du retour de M. Sassou Nguesso au pouvoir, et que nous disons que nous ne pouvons pas assumer, effectivement, je vais dire, disons, le passage de M. Sassou Nguesso au pouvoir, ça veut dire que, effectivement, M. Nzon, M. Kola et bon nombre d'autres qui l'ont accompagné, ben, effectivement, vont nous faire subir, effectivement, ou nous faire supporter, effectivement, disant tout ce que Sassou Nguesso va laisser. Donc, voilà le danger. Et ce n'est pas par hasard, parce que, je veux dire, et c'est très important à souligner, si nous parlons en termes de restauration démocratique, c'est-à-dire donc nous ne reconnaissons pas, effectivement, disons, le régime de M. Sassou Nguesso, ceux-là qui parlent en termes, effectivement, disons, de projets, disons, auxquels personne d'ailleurs ne fait attention, ils parlent d'alternance démocratique et c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a la continuité de l'État, c'est-à-dire qu'ils considèrent le régime de Sassou Nguesso comme un régime également démocratique et ça, c'est lourd de conséquences. C'est très important ce que je souligne. Ça veut dire que M. Kolela, M. Nzon, considère, disons, le régime de M. Sassou Nguesso comme étant un régime normal, comme étant un régime légal, comme étant un régime démocratique. Puisqu'ils ont été ministres de M. Denis Sassou Nguesso, vous le rappelez. Donc pour moi, il y a une logique, en tout cas si je reste dans votre démarche de légalité. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et nos compatriotes doivent faire attention à cela. Ce n'est pas un détail. Ça veut dire que M. Nzon et M. Kolela se placent dans la continuité du régime de M. Sassou Nguesso. Voilà. Monsieur Bankonda Mpile, oui. Vous savez que vous êtes sur Congo Liberty. On fait comment, puisque vous voulez restaurer la démocratie? Dites-nous comment on fait. On fait comment? Eh bien, je pense que les exemples, l'expérience parle pour nous. Monsieur Mingwa, de 1960 jusqu'à 2000, je veux dire, le Sénégal n'avait pas connu d'alternance démocratique. C'était toujours, je veux dire, disons, la mouvance senghorienne qui était au pouvoir. Et quand, effectivement, les Sénégalais ont voulu mettre un terme, effectivement, disons, au régime senghorien, vous me permettez l'expression, eh bien, toute l'opposition s'est réunie pour, effectivement, soutenir un seul candidat. Pour dire que, ben, effectivement, le but recherché, c'est l'alternance. Je dis bien l'alternance démocratique là, parce que, effectivement, nous n'étions pas dans un régime dictatorial. Donc, vous voyez donc ce qu'ont fait les Sénégalais en 2000 pour, effectivement, pousser Diouf dehors. Ce n'est pas le seul exemple. Attendez, M. Bankonda. Je vous en prie. Là, vous prenez un exemple où on est dans l'alternance, où des élections sont démocratique et transparente, et vous l'avez rappelé, il y a eu un changement au Sénégal, donc les élections étaient forcément démocratiques et transparentes. Vous ne pouvez pas attendre, lorsque vous décrivez le régime de M. Sassou Nguesso comme vous le faites, qu'une
opposition rassemblée pourrait le faire partir. Mais écoutez, c'est dans les exemples disant. Donc, on fait comment? Pour être clair, est-ce qu'on prend les armes pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Non, mais effectivement, les autres exemples que j'allais donner répondent effectivement à votre question. Vous prenez le cas de la Gambie. La Gambie, il y a quelques années à peine. Quand effectivement, personne ne peut prétendre que le régime de Yahya Jammeh était un régime démocratique. C'était tout à fait, disons, un régime dictatorial avec, je veux dire, les conséquences que tout le monde connaît. Qu'est-ce que l'opposition a fait? C'est la même chose pour amener M. Adama Barrow au pouvoir. Ils se sont réunis, ils n'ont retenu qu'un seul avec objectif, effectivement, instaurer la démocratie dans leur pays. Donc, vous voyez que là, dans un régime dictatorial, la tactique qui a été adoptée par l'opposition gambienne est différente également, disons, de la tactique, je vais dire, disons, des acteurs politiques congolais. Mais ce n'est pas, disons, de seul exemple. Regardez récemment, disons, en RDC. En RDC, quand effectivement, disons, en décembre 2018, personne ne peut dire en cet instant que, disons, M. Kabila Kabange, disons, est un démocrate, quand effectivement l'opposition a voulu, effectivement, disons, faire changer les choses, et ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on présente un seul candidat. Et ce candidat, dont la mission effectivement est de renverser, disons, le système, eh bien, va assurer une transition. Il va assurer une transition pour permettre effectivement, disons, à tous ces éléphants, permettez l'expression, de se présenter, c'est-à-dire donc M. Bemba et puis M. Katumbi. Voilà. Donc, vous voyez que, effectivement, la tactique, aussi bien en RDC, en Gambie qu'au Sénégal, qui est un état démocratique, je rappelle bien, est totalement aux antipodes, disons, la stratégie retenue par les Congolais. Effectivement, disons, on veut en finir avec un régime comme celui-là, effectivement, on ne met pas les programmes en avant. Les programmes, c'est dans un régime démocratique. Le seul programme dans un régime dictatorial, c'est effectivement de virer le système. Voilà, si c'est clair. Je prends M. Bankunda, vous allez m'excuser. Je vous en prie. Les arguments que vous avancez, ça veut dire que pour vous, la condition de participation à cette élection de 2021, donc de mars 2021, c'est le rassemblement en un mot, en d'autres termes plutôt. S'il y avait un candidat unique, malgré que le processus électoral est vicié, vous auriez pu soutenir un candidat de l'opposition. J'aurais soutenu, non pas un candidat de l'opposition, mais j'aurais soutenu la stratégie. J'aurais soutenu la stratégie. Parce que la stratégie, je dis bien la stratégie, l'objectif, les seuls qui tiennent, c'est celles qui consistent effectivement. Donc oui, je sais bien qu'effectivement, même là, ce n'est pas garanti. Mais là, au moins, parce que, je vais dire, disons, la question qui se pose, c'est laquelle? C'est, généralement, les gens me disent, oui, est-ce que vous êtes le partisan de la chaise vide? Je dis, non, je ne suis pas partisan de la chaise vide. Mais, dans le même sens, je ne suis pas pour accompagner et crédibiliser une élection qui ne l'est pas. Et donc, de ce point de vue, pour ne pas soit faire, disons, la chaise vide, soit, disons, crédibiliser un régime, je vais dire, disons, dont, je vais dire, le caractère despotique n'est plus à démontrer, la seule, disons, alternative qui existe, c'est celle qui consiste, effectivement, disons, à se retrouver pour, effectivement, bouter le despote dehors. Voilà, donc si, effectivement, ils retiennent une stratégie, un peu, il y a toujours des nuances, un peu comme je venais d'en décrire, à ce moment-là, effectivement, je soutiens la stratégie. Or, là, est-ce que vous avez entendu un seul commentateur, même en dehors des Congolais, soutenir qu'il y avait, disons, une élection au Congo? Je rappelle une chose, M. Ningwa. L'un des soutiens, parmi tant d'autres dans notre élite, l'un des soutiens du régime de M. Sassou Nguesso, c'est, disons, M. Mobutu, qui est un juriste. M. Mobutu écrit ceci dans un écrit de la Revue juridique et politique des États africains, disant de 2011, numéro 2, il dit ceci. Les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées, donc les résultats sont connus d'avance. Je le cite, ce sont ces termes. Ce n'est pas tout. Le préfet chargé, disons, des élections, disons, au Congo, disons, M. Evoudou Antoine, il dit ceci dans le journal Jeune Afrique. Il dit que, je le cite également, il dit que, ben, à partir, disons, de 2011, ben, les élections sont transparentes. C'est lui qui le dit.
Attendez bien, à partir de 2011, les élections sont transparentes. Ça veut dire que les élections présidentielles et disons, législatives, organisées en 2002 et 2009, ce n'est pas rien. Donc, deux élections présidentielles, deux élections, disons, législatives, n'étaient pas organisées de façon transparente. C'est lui qui le dit dans un jeune Afrique de, disons, de jeu de... disons de d'août, hein, pardon, oui, d'août, disons 2017, donc après l'organisation, disons, des législatives. Et donc, si je l'entends bien, la seule élection, selon lui, c'est quand même le préfet chargé des affaires électorales qui le dit, les seules élections effectivement crédibles, c'est celle de 2016. Donc 2016, c'est celle que nous avons vue tous, là, disons, où effectivement, disons, tout le monde sait que le gagnant, ça n'avait été Sassou Nguesso, mais M. Mokoko. Bon, donc, vous voyez, donc, si déjà, les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que M. Sassou Nguesso lui-même dit, de manière explicite, je viens de citer, que ben, les élections ne peuvent être égales que si le président sortant devient citoyen président, s'il devient citoyen candidat, que lui-même fait cet aveu, que son technicien qui était président de la commission constitutionnelle de 2015 dit que ben, les autorités congolaises brillent par l'organisation d'élections truquées, dont des résultats sont connus d'avance, que le préfet chargé des affaires électorales, M. Antoine Evoudou, dit que ben, oui, 2002 et 2009 n'avaient pas été organisés de manière sérieuse et transparente, que la seule, disons, qui est transparente, c'est 2016, et que, disons, le monde entier, qu'aucun État étranger, aucun membre de la communauté internationale n'a reconnu. Vous voyez bien que là, on est dans une véritable phase électorale. Monsieur Bankunda, il y a... Le 3 février, je crois, en tout cas, je peux me tromper dans la date, les évêques congolais ont fait une déclaration que moi, en tout cas, que d'autres qualifient de déclaration politique. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour les évêques, puisqu'ils en sont là, de créer tout simplement un parti politique? On voit bien là que les évêques sont dans le jeu politique. Vous adhérez à cette assertion ou pas? Les évêques sont d'abord et avant tout, disons, des citoyens. Ça, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'il faudra dire, disons, du pape Jean-Paul II quand, effectivement, il invitait, disons, ses compatriotes en Pologne, disons, les pays, disons, les populations, les citoyens, disons, l'Europe de l'Est à l'action? Est-ce qu'on va dire qu'effectivement, disons, le pape Jean-Paul II avait ou devait créer un parti politique? Non! Les papes, je vais dire, disons, les évêques ne peuvent pas être insensibles ou rester dans le mutisme face, effectivement, disons, aux mots, je vais dire, disons, de leurs compatriotes. Dans le cas du Congo, ce n'est plus les mots, c'est un drame. C'est un drame, tout le monde le sait. Je ne cesse de répéter, tout le monde aujourd'hui le sait, le Congo a le deuxième plus grand fleuve du monde, mais 60% de la population ne sait pas ce que c'est que l'eau. 60% de la population ne sait pas ce que c'est que l'eau. L'eau coule partout au Congo, sauf dans les robinets. 40% seulement a de l'eau et de façon irrégulière. Très franchement, l'eau c'est quoi? C'est un besoin animal, monsieur Mingwa. C'est un besoin animal. Donc voilà 60% des Congolais qui vivent encore dans l'animalité pour un individu dont on dit que, ben, c'est, je veux dire, un État dont on dit que c'est le troisième pays pétrolier, disons, d'Afrique, bon, dont on dit, bon, lui-même, hein, je veux dire, disons, vous lisez dans son fameux ouvrage, c'est pas si c'est lui-même qui l'a écrit, ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de contradictions, disons, le fleuve, le mangue, le fleuve et la souris, il dit que le Congo a tout. Le Congo a tout. Que c'est un beau pays, le Congo a tout. Mais le Congo a tout, ben, effectivement, ben, les Congolais vivent encore comme des animaux. Bon, donc, un individu aussi incompétent, un individu aussi sans scrupules. Bon, donc, je veux dire, M. Mingwa, ben, une situation, ben, c'est un drame. Oui. Comment est-ce que les évêques peuvent être insensibles et indifférents face à un drame? Alors, on a retenu que les évêques avaient vilipendé le processus électoral, mais bon, ça, je pense que ça ne surprend personne, mais on a quelque part un peu, en tout cas, les médias, ils ont passé sous silence, pour moi, ce qui est essentiel, c'est-à-dire que des évêques qui demandent qu'à tous les niveaux, on rapatrie l'argent volé. Des évêques qui demandent à la communauté catholique de documenter tous les faits. Est-ce que là, très clairement, les évêques ne jouent pas le rôle du chef de l'opposition qui est M. Tassi Mabiala? Est-ce qu'il n'y a pas une inversion des rôles? Bon, je ne sais pas si les Congolais, je veux dire, considèrent vraiment M. Tassi Mabiala comme étant le chef de l'opposition. M. Tassi Mabiala, c'est le principal pion, disons de M. Sassou Nguesso, ce n'est un secret pour personne. Donc, c'est justement parce que l'opposition n'existe pas, l'opposition ne joue pas son rôle, que, ben, effectivement,
les évêques sont obligés de dire des choses qui apparaissent effectivement comme extraordinaires. Mais si effectivement, je veux dire, l'opposition était à sa place, si l'opposition n'était pas une opposition, disons que je considère souvent comme Coubertiniste, c'est-à-dire qui n'y va que pour participer, mais pas pour gagner, ben effectivement, les évêques ne seraient pas montés au créneau. Les évêques n'auraient pas fait ce que certains comptaient comme un scoop. Donc, l'expression des évêques, c'est l'aveu de l'incapacité, c'est l'aveu de l'inaction des opposants, c'est l'aveu qu'effectivement, nous ne sommes pas en démocratie, disons, au Congo. De ce point de vue, je pense que ça aurait été une lourde responsabilité, une lourde irresponsabilité, je veux dire, si effectivement les évêques n'avaient pas effectivement exprimé cela. Vraiment, c'est ce que je pense. Monsieur Bankman Dampélé sur Congo Liberty, je sais aussi que vous réfléchissez dans le cadre d'un projet global sur une transition démocratique. Est-ce que vous pensez réellement qu'une transition démocratique au Congo s'impose? Plus que jamais, Monsieur Mingwa, plus que jamais, la transition s'impose. Une transition dont je rappelle qui, donc l'objectif serait, je dis bien, l'objectif essentiel serait la restauration de la démocratie et surtout de tirer les leçons des ratés de la transition démocratique, disons, de 1991 à 92. Voilà. Donc, la transition s'impose plus que jamais en raison, effectivement, de l'état de désarroi de nos compatriotes, de l'état de misère, de la génération de misère, et surtout parce que, effectivement, il est temps de mettre un terme au régime qui existe à Brazzaville. Voilà. Donc, le but, c'est uniquement d'humilier nos compatriotes. Vous dites, Monsieur Bankman Dampélé, que l'élection est jouée d'avance, que Monsieur Parfait Colella et Mathias Nzon joueraient un rôle. Vous n'êtes pas pour la chaise vide, mais vous dites que la stratégie de l'opposition n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que les Congolais doivent faire? Est-ce que c'est le boycott? Est-ce que c'est quand même aller voter Monsieur Parfait Colella? Voilà, qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui par les Congolais? Boycott ou pas boycott, monsieur Nivois, faut-il savoir, faut-il surtout, disons, bien identifier celui qu'on a en face. Monsieur Sassou Nguesso et son régime, sans sans scrupule. Sans sans scrupule. Et donc, je vais dire, face effectivement, disons, à ce genre de système, à ce genre de personnes, je pense et je vous répercuterai en gros, disons, ce qu'est ma position, je vais dire, pour l'avenir, le 25 février, dans une lettre que j'adresse à la ville congolaise. Il faut que, effectivement, ceux qui ont pris conscience, ceux qui avaient encore des doutes, pour moi, depuis le départ, je sais depuis 1997 qu'on est tombé très bas. À partir du moment où un individu arrive dans les conditions est arrivé, M. Sassou Nguesso, je rappelle, un individu qui prend des bandits, qui prend des armées étrangères pour venir décimer sa population dans tout état du monde, perd sa citoyenneté. Il perd sa citoyenneté. Donc, de ce point de vue, je pense que la petite élite, je vais dire, disons, qui a pris conscience et qui est conséquente effectivement par rapport au pays, devait s'organiser. Il devait s'organiser. Dans un projet, quel qu'il soit aujourd'hui, un projet ben, qui effectivement est en train de se mettre en marche, le projet pour la transition démocratique, il le devait. Mais même dans un autre cadre, je pense qu'il devait s'organiser une contre-élite pour l'avenir, parce que, je vais dire, mais d'autres l'ont déjà dit avant moi, mais écoutez, le 21 mars, c'est un non-rendez-vous, c'est un non-événement. Ça, on le sait depuis longtemps, et je pense que c'est chaque fois tombé dans le piège, disons, de monsieur Sassou Nguesso, que de temps en temps de faire de son agenda, je veux dire, d'une affaire nationale. Laissons-le, effectivement, je veux dire, dans ses stratégies, j'allais dire imbécile, hein, mais je veux dire, disons, dans ses stratégies humiliantes pour les Congolais, parce que les évêques l'ont dit, à quoi ça sert effectivement d'organiser une élection alors que les Congolais sont. Mais laissons-le avec l'élite qui a effectivement, je veux dire, disons, abandonner, disons, son statut d'élite pour s'affilier à un individu qui, effectivement, est sans scrupule, et que celle qui est la partie élite qui a pris conscience s'organise en contre-élite, effectivement, disons, pour mener des actions. Et cette action, je vais dire aujourd'hui, doit viser l'élite qui travaille avec M. Sassou Nguesso. C'est bon. Ben, aujourd'hui, je pense qu'il faut répertorier ces gens-là. Hein? Je pense que la nature criminelle, je vais dire, à différents égards, M. Sassou Nguesso ne se trouve pas d'équivoque.
Mais il le fait avec un groupe d'individus sans scrupules comme lui. Et si on ne peut pas, je veux dire, disons, joindre, disons, mais c'est, bon, de toute façon, M. Sassou Nguesso s'en fiche. M. Sassou Nguesso ne connaît pas l'histoire. M. Sassou Nguesso se fiche, disons, de, je veux dire, disons, de la vie des Congolais, y compris de ceux de sa famille. Mais, je veux dire, l'élite qui est autour de lui, qui le sait? Est-ce que vous l'avez identifié, vous? Vous demandez aux Congolais de l'identifier. Est-ce que vous, vous avez une idée de... Ah, bien entendu. ...de personnes, pour lui donner des pistes, pour que les gens aient le profil de... De l'élite gangstérisée, pour reprendre une expression consacrée par vous-même. Oui, qui c'est, vous me demandez si j'ai identifié cette élite-là? Oui, quelques-uns. Ah, bien entendu, les Congolais les connaissent. Moi, je veux dire, c'est uniquement par éducation que j'évite de nommer les gens. Mais je veux dire, tous ceux qui travaillent... Monsieur Beningwa, on ne peut pas aimer le Congo et travailler avec Monsieur Sassou Nguesso. Je pense que c'est incompatible. On ne peut pas aimer ce pays, on ne peut pas aimer les Congolais. On ne peut pas, je veux dire, disons, être sensible à la situation des Congolais. Et regarde M. Ningwa. Le pillage aujourd'hui est dénoncé. Les évêques qui devraient, disons, avoir la retenue dénoncent. Donc, nos compatriotes, disons, de cette élite, savent que les trois seules industries sur lesquelles Sassou Nguesso a réussi, c'est l'industrie du pillage, c'est l'industrie du crime, c'est l'industrie des antivaleurs. Alors, donc, de ce point de vue, quand on le sait, et que, tout en sachant les conséquences que cela a sur notre pays, les conséquences que cela a sur les générations futures, mais qu'on continue, disons, à le soutenir, à être avec lui, c'est-à-dire qu'on participe avec lui au démantèlement du pays. Et donc, de ce point de vue, je pense que l'élite qui aime ce pays devrait premièrement les répertorier, et ça, je pense qu'il est temps de le faire, et puis, secondo, Je veux dire, initié, parce que si effectivement de façon, je veux dire, de notoriété publique, tout le monde sait que nous avons affaire à un criminel, eh bien, effectivement, également, il participe au crime, en bande organisée. Donc, voilà, effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on a, effectivement, disons, un groupe de malfaiteurs, effectivement, comme celui que je dénonce. Je vous dis un truc, monsieur Miroir, parfois, les gens ne savent pas... Monsieur Sassou Nguesso a été investi, selon son propre système, le 25 octobre 1997. Le 24 octobre, c'est-à-dire alors que dans son propre système politique et juridique, il n'était pas encore président, le 24 octobre, il avait déjà nommé Monsieur Placide Lenga, son homme à tout faire, comme président de la Cour suprême. Donc là, nous sommes en face de ce qu'on appelle faux et usage de faux. Voilà. Le 24 octobre, il n'est pas encore président, mais il a déjà pris une note dans laquelle, premièrement, il publie la Constitution comme président de la République, alors qu'il ne sera président de la République le 25 octobre, et il a déjà nommé monsieur, Placide Lenga comme président de la Cour suprême pour effectivement prêter ses notes. Mais ça s'appelle faux et usage de faux. Et mes amis et collègues de Brazzaville, qui sont des juristes, le savent. Hein? C'est flagrant. Mais vous ne pouvez pas, M. Bankunda, attendre de quelqu'un qui fait un putsch, qui respecte la loi. Vous savez bien que M. Denis Sassou Nguesso ne la respecte pas. Mais pour clôturer sur cette séquence-là, vous parlez de l'humiliation des Congolais. Aujourd'hui, dans la presse internationale, on parle tous les jours de dilapidation de milliards de francs CFA. Des crimes en dizaines de milliers de personnes. De francs CFA, dont, toujours dans la phase humiliation des Congolais. Est-ce que vous avez été humilié lorsque M. Alassane Ouattara et M. Alpha Condé, lors de leurs investitures pour laquelle vous pourrez nous donner votre avis, ont affectueusement appelé M. Denis Sassou Nguesso, l'empereur, donc je rappelle, M. Denis Sassou Nguesso, qui est votre président? Je rappelle d'abord ceci, puis vous me dites que ben, à quoi ça sert effectivement de critiquer un individu qui est un... Non, je parlais de l'élite. L'élite, c'est-à-dire, je prends, disons, la fameuse cour constitutionnelle où on a, semble-t-il, ce qu'on appelle les juristes les plus gradés. J'ai sorti un papier, disons, il y a quelques mois, c'était effectivement à l'occasion du 5e anniversaire de la décision de l'avis, disons, de la cour constitutionnelle du 17 septembre 2015. Je l'ai intitulé, disons, « Cauchemar constitutionnel, comment les juristes ont étranglé le droit constitutionnel au Congo ».
Donc, c'est à leur endroit, mais ce n'est pas à l'endroit de M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, c'est de notre autorité publique. Effectivement, c'est un individu sans scrupules. Ce n'est plus moi qui le dis. Je vais dire, le monde entier le sait. Voilà, le Fonds monétaire, je vais dire, disons, vient effectivement, disons, de jeter l'éponge sur le Congo. La France qu'il soutient aujourd'hui est fatiguée. Les commentateurs, les analystes ouest-africains, ben, ils se moquent de nous chaque jour, je dis bien. Vous voyez vous-même les émissions chaque fois, ben, c'est de dire, ben, pauvre Congo et tout. Bon, donc non, c'est pas monsieur, je parle de l'élite congolaise et qui le suit. Je parle, disons, de la cour constitutionnelle métaphysique qui existe au Congo, puisque depuis elle s'est elle-même, disons, fait euthanasier. Bon, donc, c'est de cela. Mais M. Sassou Nguesso, à quoi cela sert-il encore, disons, d'en parler? Ça, c'est le premier truc. Mais M. Ouattara, et, disons, M. Alpha Condé, je veux dire ceci, M. Mingwa, il faut bien se dire, moi, c'est pas exactement comme ça que je l'ai entendu, je veux dire, la façon dont j'ai interprété, disons, ce qu'ils ont dit en appelant M. Sassou Nguesso l'empereur. Moi, je pense que ces deux monsieur étaient un peu embêtés de voir que, disons, les journaux, je veux dire notamment, disons, occidentaux, étaient en train de les mettre sur le, disons, dans le même panier que M. Sassou Nguesso. Et donc, embarrassés, gênés par le fait qu'on les mettait effectivement dans le même panier, ils ont voulu à leur façon démontrer que, ben non, nous n'étions pas du même acabit. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, effectivement, disant, Monsieur l'Empereur, pour dire, il y a lui et il y a nous. Parce que, effectivement, après que Monsieur Sassou Nguesso ait initié le troisième mandat, ben, ils sont tombés là-dedans. Donc, ils ont voulu dire que lui, nous, c'est nous, comme aurait dit, effectivement, disant Monsieur Fabius, dans la fameuse phrase à l'endroit de Monsieur Mitterrand, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Donc, c'est un peu ça, ils ont voulu marquer la différence. Bon, secondaire, effectivement, disant dans... bon, aujourd'hui, il y a tout un débat, effectivement, sur la question des troisième mandat. Bon, je dirais tout simplement ceci. Premièrement, bon, je pense que c'est à leur risque et péril. Hein, ils démontrent, effectivement, la face du monde. Parce que la question du troisième mandat, la question du respect de la Constitution, c'est une question fondamentale en Afrique, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent avancer. L'un des drames de l'Afrique, M. Mingwa, c'est le fait que nous sommes dans des systèmes fragiles et qu'il s'agit d'enraciner la démocratie. Et c'est une question fondamentale qui fait que, quelles que soient les justifications des uns et des autres, un peu comme on l'a entendu effectivement pour M. Ouattara, dire que, ben oui, non, ce n'est pas une force majeure, la force majeure, ce n'est pas cela. Voilà. Donc, je veux dire, la question, je veux dire, de l'enracinement de la démocratie en Afrique, c'est une question fondamentale qui fait que, quelles que soient les raisons que les uns et les autres, que M. Ouattara ou M. Condé pouvaient avancer, on ne peut pas les mettre au même niveau que l'enjeu démocratique dans nos pays. Donc, de ce point de vue, effectivement, ils sont critiquables. Monsieur Bankoundampele, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelque chose à ajouter, ben, je ne veux pas me situer dans l'agenda de Monsieur Sassou Nguesso parce que, je vais dire, ça n'aura aucun sens. C'est plutôt à l'endroit de nos compatriotes, Monsieur Mingwa. Je dis ceci. Je pense que il n'est plus l'ombre d'aucun doute que M. Sassou Nguesso se fout du monde. Il n'est l'ombre d'aucun doute qu'effectivement, devant une telle situation, ben, je vais dire, on devrait pouvoir distinguer auprès de nos compatriotes, au niveau de l'élite principalement, lesquels travaillent pour le pays, lesquels s'intéressent au pays, lesquels sont sensibles aux maux du pays, et lesquels ne le sont pas. Et que de ce point de vue, je pense que la stratégie à venir, la stratégie immédiate, c'est celle qui consiste effectivement, je dis, à prendre parti. À prendre parti par rapport à ce qui se passe au Congo. Voilà. Ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment les Congolais, ceux qui, je vais dire, pensent, disons, aux générations futures dont une large partie de leur vie est déjà sacrifiée, devraient prendre position avec ceux qui ne sont pas avec eux, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de soutenir un criminel, un voleur, un menteur, un tribaliste, comme disait le général Mokoko. Voilà là où j'en termine, M. Mingwa.